Bonjour. Dans le cadre des cours sur la continuité, aujourd'hui nous allons aborder les notions générales relatives donc à la continuité. Mais dans un premier temps, en guise de cadre général, je vais vous définir ce qu'on entend par continuité. Donc on considère qu'une fonction est continue lorsque sa courbe représentative, donc on peut tracer un repère, lorsque sa courbe représentative peut être retracée sans lever le crayon, par exemple, comme ça. Sous-entendu, dès l'instant qu'on trace une courbe représentative en levant le crayon, donc là, je lève le crayon pour passer à un autre point, ça signifie que, ici, on a une fonction qui n'est pas continue. Donc voilà, très rapidement, l'idée générale de la continuité. Maintenant, on va définir ça de façon un peu plus théorique, en commençant par la définition de la continuité en un point. Donc, la continuité en un point. Alors, quel est le cadre théorique à cette définition? Eh bien, on va considérer une fonction f, qui est une fonction réelle, donc soit f une fonction réelle, et on va considérer un réel petit a. À partir de là, on dit que la fonction f est continue en a. Je vais tout écrire. La fonction f est continue en A lorsque F est défini sur un intervalle ouvert contenant A. Donc lorsque f est défini sur un intervalle ouvert contenant le réel considéré a, et que f admet au point a, donc admet en a, une limite égale à f de a, qui est donc égal à la limite quand x tend vers a de f de x, qui est elle-même égale à la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h. Donc on peut répéter la définition. On considère une fonction réelle f et un réel a. À ce moment-là, on dit que la fonction f est continue en a lorsque f est définie sur un intervalle ouvert, intervalle qui contient le réel a, et que f admet en A, une limite égale à f de A, qui est égale donc à la limite quand x tend vers A de f de x, qui est égale à la limite quand h tend vers 0 de f de A plus h. Donc voilà pour la notion, pour la définition de la continuité en un point. Maintenant, on va passer à la définition de la continuité sur un ensemble de points, c'est-à-dire sur un intervalle. La continuité sur un intervalle. Donc comme cadre théorique à la définition, on va encore une fois considérer une fonction f, fonction réelle. Donc soit f, une fonction réelle, et on va considérer un intervalle ouvert i. Et à ce moment-là, on dit que la fonction f est continue sur l'intervalle i. La fonction f est continue sur l'intervalle ouvert i. I lorsque f est continue en tout point de cet intervalle i. Maintenant, qu'en est-il du rapport entre la notion de continuité et la notion de dérivabilité? Donc voyons ça.
la continuité et la dérivabilité. Donc on va considérer une fonction f réelle, donc soit f une fonction réelle, et on considère un intervalle ouvert i. Et on dit que si la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert i, si la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert i, alors f est continu sur i. Ça signifie par conséquent que si vous parvenez à démontrer que sur l'intervalle i, la fonction que vous étudiez est dérivable, il est alors inutile de démontrer que cette même fonction est continue sur l'intervalle i, puisque l'application est naturelle. Donc maintenant, on a terminé pour les notions de cours, et on va passer aux rubriques habituelles, à commencer par la rubrique attention. Rubrique dans laquelle on va une fois de plus vous mettre en garde, dans la mesure où la continuité parle de fonction réelle. Fonction réelle. Donc, avant d'étudier la continuité, il faut s'intéresser, on va mettre déterminer l'ensemble de définition de la fonction considérée. Voilà pour la rubrique attention. Et on va finir ce cours par la rubrique par cœur. Rubrique dans laquelle on va dresser un petit catalogue de certains types de fonctions et on va définir leur continuité. Donc, par exemple, les fonctions polynômes, la fonction sinus, la fonction cosinus, la fonction exponentielle. J'en ai pas oublié, non? A priori, donc, ces fonctions-là sont des fonctions continues sur grand R. Maintenant, la fonction racine carrée est une fonction continue sur R+. La fonction logarithme n'est pas rien. Logarithme népérien est une fonction continue sur R plus étoile. Et enfin, on peut finir par les fonctions rationnelles. Les fonctions rationnelles qui sont continues sur tout intervalle où elles sont définies. Donc, dans le cadre des fonctions rationnelles, vous étudiez leur ensemble de définitions et tous les intervalles sur lesquels ces fonctions sont définies sont les intervalles sur lesquels ces fonctions sont donc continues. Donc voilà qui termine cette partie cours, cours que l'on va mettre maintenant en application à l'occasion des 4 exercices suivants, dont l'énoncé du premier concerne la fonction f
qui à x associe 3x carré plus 2x plus 1. Et on demande d'étudier la continuité de cette fonction en x égale 2. Donc, premier réflexe, je vous renvoie à la rubrique attention. Avant de s'intéresser à la continuité, en tenant compte du fait qu'on a une fonction réelle, on va s'intéresser à son ensemble de définitions. Et pour ce faire, je vous renvoie au cours disponible en ligne qui traite des intervalles et des ensembles de définitions, cours dans lequel vous verrez qu'une fonction de ce type est définie sur grand R. Donc maintenant, on peut passer à la continuité de cette fonction en x égale 2. X égale 2 est compris dans l'ensemble de définition de la fonction f. Donc on va, pour étudier sa continuité, on va comparer la limite de f quand x tend vers 2 à la valeur f de 2. Donc cette limite, on peut l'exprimer ainsi, c'est la limite quand h tend vers 0 de f de 2 plus h, c'est-à-dire la limite quand h tend vers 0 de f de 2 plus h. Donc on va remplacer x dans cette expression par 2 plus h. Donc ça va nous faire, je vais mettre des crochets, 3 facteurs de 2 plus h au carré plus 2 facteurs de 2 plus h plus 1. Donc c'est la limite quand h tend vers 0 de 3 fois 4 plus 4h plus h carré plus, je développe ça, 4 plus 2h plus 1. C'est-à-dire la limite quand h tend vers 0 de 3 fois 4, 12 plus 4, 16 plus 1, 17. 17. 3 fois 4h, ça fait 12h plus 2h. Ça fait 14h plus h carré, 3h carré. Donc, on s'intéresse à la limite quand h tend vers 0 de 17 plus 14h plus 3h carré. Donc, qu'en est-il? Quand h tend vers 0, 3h carré, ça tend vers 0. 14h, ça tend aussi vers 0, donc il reste 17. Donc ça, c'est égal à 17. Donc on voit que la limite quand h tend vers 0 de f de 2 plus h est égale à 17. Ça veut dire que la limite de la fonction f quand x tend vers 2 est égale à 17. Donc maintenant, on va calculer f de 2. Donc on remplace dans cette expression x par 2. Donc c'est égal à 3 fois 2 au carré plus 2 fois 2 plus 1. C'est égal à 2 au carré, ça fait 4. Donc 3 fois 4, 12. Plus 2 fois 2, 4, plus 1. 12 plus 4, 16, plus 1, 17. Donc on voit par conséquent que f de 2 est égal à 17, et f de 2 est donc égal à la limite quand h tend vers 0 de f de 2 plus h, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 2 de la fonction f. Donc on voit que la fonction f est telle que sa limite quand x tend vers 2 est égale à f de 2, ce qui signifie par définition que la fonction f est continue en 2. Donc voilà qui termine notre exercice 1. On passe donc à l'exercice 2, dont l'objet est une fois encore d'étudier la continuité de la fonction f, mais cette fois f définie par x carré moins 1 sur x carré plus 1. Et donc on s'intéresse à la continuité de la fonction f en x égale 1. Donc, réflexe habituel, je vous renvoie encore une fois à la rubrique attention. Avant de s'intéresser à la continuité de f, on va s'intéresser à son ensemble de définitions. Et là, encore une fois, je vous renvoie au cours disponible en ligne sur les intervalles et les ensembles de définitions, cours dans lequel vous verrez qu'une fonction de ce type est définie sur R. Donc f est défini sur grand R. Donc maintenant on peut passer à la continuité de la fonction f. X égale 1 est inclus dans l'intervalle, est un élément de l'intervalle grand R, qui est donc l'ensemble de définition de la fonction f.
Donc, étudier la continuité de la fonction f en x égale 1 revient à vérifier que f de 1 est égal à la limite de f quand x tend vers 1. Donc, on va commencer par déterminer cette limite. Donc, on peut l'exprimer ainsi, c'est la limite quand h tend vers 0 de f de 1 plus h. C'est-à-dire la limite quand h tend vers 0. Donc, on va remplacer dans l'expression de f de x, x par 1 plus h. Donc, au numérateur, on aura 1 plus h au carré, donc moins 1 sur 1 plus h au carré plus 1. C'est égal à la limite quand h tend vers 0. 1 plus h au carré, ça fait 1 plus 2h plus h carré. Donc tout ça, moins 1, sur 1 plus 2h plus h carré plus 1. Donc c'est égal à la limite quand h tend vers 0. 1 moins 1, donc ça fait 0, donc on a 2h plus h carré sur 1, non pardon, 1 plus 1, donc 2, plus 2h plus h carré. Alors, on cherche la limite quand h tend vers 0 de cette expression-là. Donc on peut mettre h, un facteur au numérateur. Donc la limite quand h tend vers 0, je vais mettre le h en facteur devant. Facteur de 2 plus h sur, au numérateur, on ne peut pas mettre de h en facteur. Donc c'est la limite quand h tend vers 0 de h, facteur de 2 plus h sur 2 plus 2h plus h carré. Donc quand h tend vers 0, 2 plus h, ça tend vers 2. Donc le numérateur tend vers la constante 2. Le dénominateur, ici on a h carré qui tend vers 0, 2h qui tend vers 0, donc le dénominateur tend lui aussi vers la constante 2. Donc finalement, on a cette fraction rationnelle qui tend vers 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Mais tout ça multiplié par h, et h tend vers 0, donc au final, cette limite est égale à 0. Alors maintenant, je vais m'installer ici. Qu'en est-il? On a la limite quand h tend vers 0 de f de 1 plus h, c'est-à-dire la limite de la fonction f quand x tend vers 1. Donc maintenant, on va déterminer f de 1. Donc on remplace x par 1 dans l'expression. Ça nous fait 1 au carré moins 1 sur 1 au carré plus 1. Donc f de 1 est égal à 1 moins 1 sur 1 plus 1. C'est-à-dire que f de 1 égale 1 plus 1 au dénominateur, ça fait 2. Et 1 moins 1, ça fait 0. Donc 0 sur 2, c'est-à-dire 0. Donc on a f de 1 égale 0. Et la limite de la fonction f quand x tend vers 1, qui est égale à 0. Donc qui est égale à f de 1, ce qui nous permet de dire que la fonction f, ainsi définie, et continue en x égale 1. Donc voilà pour ce deuxième exercice. Maintenant, le troisième exercice considère la fonction f qui à x associe 2x plus 3 sur x plus 1 et qui est définie, on nous donne l'ensemble de définition ici, sur 1 ouvert plus l'infini ouvert. Question, déterminer la fonction g, prolongement par continuité de f en x égale 1. Donc, réflexe habituel, je vous renvoie à la rubrique attention, on cherche l'ensemble de définitions, mais ici, il est donné, puisque f est défini sur 1 plus l'infini. Donc, on peut directement passer à la question. On cherche la fonction g qui est le prolongement par continuité de la fonction f en x égale 1. F n'est pas défini en x égale 1. Donc, a fortiori, on ne peut pas dire que f est continu puisqu'elle n'est pas définie en x égale 1. Donc, on va chercher à prolonger f par continuité en x égale 1, c'est-à-dire qu'on va considérer que on va envisager le cas où f soit défini en 1 et on va en déterminer sa limite pour voir de quelle façon on pourrait prolonger f par continuité en 1. Donc allons-y. Quelle en serait la limite? Donc on peut l'exprimer ainsi, c'est la limite quand h tend vers 0 de f de 1 plus h.
c'est-à-dire la limite quand h tend vers 0. On va remplacer dans cette expression x par 1 plus h. Donc ça nous fait 2 facteurs de 1 plus h plus 3 sur 1 plus h plus 1. Donc c'est égal à la limite quand h tend vers 0, 2 fois 1, 2, plus 2h plus 3 sur 2 plus h. C'est-à-dire la limite quand h tend vers 0 de 5 plus 2h sur 2 plus h. Or, quand h tend vers 0, 2h tend vers 0 et h tend vers 0. Donc cette limite est égale à 5 demi. Donc on voit que la limite quand x tend vers 1 de la fonction f, c'est 5 demi. Ça signifie que si l'on voulait prolonger par continuité la fonction f en x égale 1, eh bien on lui imposerait la valeur 5 demi. Par conséquent, la fonction g, prolongement par continuité de la fonction f en x égale 1, peut être exprimée ainsi. Donc g c'est égal, on va l'écrire comme ça, g est égal, non, g deux points, c'est-à-dire g est tel que g de x égale f de x sur l'intervalle 1 ouvert plus l'infini, et g de 1 égale cette valeur, c'est-à-dire 5 demi. Donc voici la définition de la fonction g qui correspond au prolongement par continuité de la fonction f. On passe maintenant au quatrième exercice qui s'emploie non plus cette fois à faire un prolongement par continuité mais un raccordement. Donc exercice 4, soit la fonction réelle f définie par x a pour image 2x moins 1 sur l'intervalle moins l'infini 1 ouvert est définie par x a pour image 1 sur x sur l'intervalle 1 ouvert plus l'infini. Question, raccorder par continuité la fonction f. Alors, on va chercher à comprendre l'énoncé. On a une fonction f qui est définie sur l'intervalle moins l'infini 1, ouvert, par cette expression, et 1 ouvert plus l'infini par cette expression. Ça veut dire qu'en 1, cette fonction f, puisqu'on a l'intervalle ouvert ici et ouvert là, en 1, la fonction f n'est pas définie. Donc si la fonction f n'est pas définie, par conséquent, elle ne peut pas être continue. Et donc, on demande de la raccorder par continuité, ça signifie que l'on va chercher à définir la valeur f de 1 de telle sorte que la fonction f puisse être continue en 1. Donc, imaginons, on peut faire une représentation graphique, je ne vais pas du tout respecter les expressions, on est ici en 1, on a une fonction f qui a une certaine valeur là, vers 1, et une autre valeur de l'autre côté. Donc si ces deux valeurs sont identiques, on va pouvoir prolonger par continuité. Si ces deux valeurs sont telles que en 1, on a quelque chose qui arrive en haut là par exemple, et de l'autre côté, beaucoup plus bas, une valeur très différente, à ce moment-là on ne pourra pas prolonger par continuité. Donc on oublie vite ce schéma pour dire que la condition pour raccorder par continuité, c'est de déterminer la limite de f quand x tend vers 1 par valeur supérieure, donc c'est-à-dire sur cet intervalle-là, et de comparer cette limite à la limite de f quand x tend vers 1 par valeur inférieure, c'est-à-dire sur cet intervalle-là. Si ces deux limites sont identiques, à ce moment-là, on prolonge par continuité, on raccorde par continuité la fonction f en 1 par la valeur qui est égale à chacune des deux limites, c'est-à-dire la même valeur. Allons-y. On va le faire, ce sera plus simple. Ce sera plus clair. Donc, limite quand h tend vers 0 de f de 1 plus h
Et là, on va envisager le cas par valeur supérieure. Je vais l'écrire. Valeur supérieure. Donc on va calculer la limite de f quand x tend vers 1 par valeur supérieure. Donc on va s'intéresser à cet intervalle-là, puisqu'en fait on va passer du côté 1 plus. Donc c'est la limite de quand h tend vers 0 de f de 1 plus h. Donc c'est la limite quand h tend vers 0. On va remplacer dans cette expression x par 1 plus h. Donc de 1 sur 1 plus h. Et la limite quand, quand h tend vers 0 de 1 sur 1 plus h, c'est 1 sur 1. C'est égal à 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Voilà, donc la limite par valeur supérieure de la fonction f, quand x tend vers 1, est égale à 1. Maintenant, par valeur inférieure. Qu'en est-il par valeur inférieure? Qui dit par valeur inférieure dit qu'on va passer du côté 1 moins, c'est-à-dire quand ça tend vers 1, mais par valeur inférieure, donc on va être sur cet intervalle-là. Donc on va considérer cette expression-là. Alors, utilisons la même formulation. Limite quand h tend vers 0 de f de 1 plus h, c'est égal à la limite quand h tend vers 0 de, je remplace x par 1 plus h dans cette expression, donc de 2 facteurs de 1 plus h moins 1, est égal à la limite quand h tend vers 0 de 2 plus 2h moins 1, c'est égal à la limite quand h tend vers 0 de 2 moins 1, donc 1, plus 2h. Et quand h tend vers 0, 2h tend vers 0, donc cette limite est égale à 1. Donc on voit ici que la limite quand x tend vers 1 par valeur supérieure de f, c'est 1, et la limite quand x tend vers 1 par valeur inférieure de f, c'est 1. Par conséquent, on se trouve dans cette situation-là, si on fait une représentation graphique, on est ici en 1, et on a une fonction f qui a une certaine forme, on ne s'occupe pas tellement de ça, c'est surtout ici que c'est important, ici ça tend vers 1, et par valeur supérieure, ça tend aussi vers 1. Par conséquent, on peut raccorder par continuité la fonction f en lui imposant, je vais pouvoir effacer ça, en lui imposant que f de 1 est égal à cette limite par valeur supérieure, qui est égal à cette limite par valeur inférieure, c'est-à-dire 1. Par conséquent, le raccordement par continuité de la fonction f consistera à définir f de la façon suivante, en lui rajoutant une troisième condition, qui est f de 1 est égal à 1. Donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice, et qui par la même occasion termine ce cours qui traite de la continuité, et en particulier qui abordait toutes les généralités sur la continuité. Donc je vous dis au revoir, à bientôt pour d'autres cours sur la continuité, ou d'autres cours de mathématiques.